Bienvenue dans ce test rapide du jeu Endor Light. Un jeu qui peut rappeler Spelunky à certains, ou d'autres jeux platformers assez classiques. On est sur du traditionnel là tout de même. C'est un jeu Endor Light où vous allez évoluer dans des niveaux générés aléatoirement avec quelques petites armes. Vous êtes une sorte d'Indiana Jones en train d'explorer des grottes pour récupérer différents trésors en affrontant des bébêtes toutes plus méchantes les unes que les autres. Et vous serez armé d'une hache qui frappe à courte portée mais assez fort, d'un fouet qui frappe un petit peu plus loin et moins fort, et d'un arc qui tire droit, très loin, enfin qui est vraiment très puissant. Et avec ça, vous allez pouvoir évoluer dans un certain nombre de niveaux que je ne saurais pas définir exactement, je ne l'ai pas terminé, mais enfin j'ai vu au moins trois mondes. Un monde souterrain marron assez classique, suivi d'une sorte de jungle, ensuite un monde plus rouge, un peu plus infernal. Et je dois dire que j'ai trouvé les contrôles plutôt agréables, c'est assez plaisant. Mais le jeu manque un peu de polish, quoi. C'est au niveau des options, des menus différents. Enfin, y a pas d'histoire. Ça sent un peu le jeu qui mériterait plus de travail. Est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il n'est pas fini? Enfin, bon, je sais pas. Après, il y aura peut-être des patchs pour l'améliorer, mais je ne crois pas qu'il soit promis à beaucoup évoluer. Et je vois sur les forums, par exemple, certains conseille plutôt d'acheter un jeu qui s'appelle Cave Blazers, qui est sur le même moteur, mais avec beaucoup plus de contenu et qui est encore en accès anticipé, qui va continuer à évoluer. Mais alors, que dire d'Endor Light? Bon, il est un peu moins cher que l'autre, il coûte à peu près 3 dollars, 3 euros en ce moment sur Steam. C'est un jeu, voilà, pas cher et qui est assez plaisant, qui ne vous tiendra pas en haleine très longtemps, c'est certain. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à le tester. Sachant qu'on peut même tenter le coup en coopératif. Il existe un mode 2 joueurs qui est loin d'être parfait puisque la caméra ne suit qu'un seul des deux personnages. Donc on peut jouer avec un gamepad d'un côté et le clavier de l'autre par exemple. La caméra va suivre un joueur, l'autre peut sortir de l'écran. Bon, c'est pas parfait, en plus les personnages ont la même gueule. Mais bon, ça a le mérite d'exister, c'est un petit plus, pourquoi pas. Donc en conclusion, un jeu moyen, on peut trouver mieux, c'est certain. Mais si vous le chopez à pas cher ou dans un bundle, écoutez, ça pourra vous occuper peut-être une petite heure. C'est tout.